Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire une vidéo 100% gameplay sur le jeu Scavenger, une bêta fermée sur Steam Epic Games. C'est un jeu PVP PVE, un peu Battle Royale sur les bords. Ça va être une course à l'objectif et une course à l'extraction. Il va falloir sortir de la planète. Ça ressemble beaucoup à PEX, à The Cycle et à Darwin Project pour les beaux gosses qui connaissent ce jeu. Donc, le concept de la vidéo, c'est de faire une vidéo sans cut en un seul rush. Et aujourd'hui, je suis accompagné de mon ami Kyobi. Hello, hello. Donc, on en est à plein de prises, c'est genre la quatrième game qu'on fait. Et normalement, c'est la bonne. En tout cas, ça sera la bonne. On va montrer un maximum de gameplay. On va essayer d'aller le plus loin possible dans les PVE, PVP, à vous montrer un peu le comment ça marche, le système de tir, tout ça. Les hitbox, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très dans le détail. Donc du coup, c'est ce qu'on va essayer de vous montrer. Au début, il va falloir qu'on aille vite looter. La map, elle ressemble à ça. Voilà. Donc là, on est avec un troisième random. Hello, Goose! Il répond, bah, il répond pas. Il faut trouver des points de fabrication, des points tout court. Et en fait, il y en a un classement. Vous voyez, on est 19 équipes. Donc généralement, c'est 20 équipes de 3 joueurs. Donc on est 60. Là, on est 19. Donc il y en a une qui s'est déjà barrée. Et le but, c'est en fait de trouver des petites pièces en or partout qu'on va trouver sur les maps, dans les bases PVE, pour après arriver premier et s'extraire. Voilà. Donc il y a plein, après, il y a plein de détails. Il y a plein d'objectifs. Hein, vous voyez un peu sur la. Voilà les gens que je vous montre. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Après, je pense qu'il y a des strats à faire, genre se séparer, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on meurt, on respawn au bout d'une minute, tant que toute l'équipe n'est. Tant qu'il y en a un de l'équipe qui est en vie. Voilà. Donc. Voilà. Et on va essayer de trouver un véhicule, parce qu'il y a des véhicules dans le jeu. Et n'empêche, un véhicule. Et ben, à mon avis, ça. C'est pas mal. Moi je vais à l'arène ici, Kyobi. Ok? Marche, Je pense qu'au début on peut se séparer. C'est vers la fin. Donc moi j'ai pris mon personnage sniper. Donc pour l'instant on a trois personnages. On peut en débloquer d'autres après. Et chacun ses spécialités. Moi c'est vrai que ma spécialité au début elle est bien. Mais après c'est vrai qu'en combat rapproché sniper c'est un peu compliqué. Mais bah, j'aime bien. Donc. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut que quelqu'un le prenne. Donc là, je me suis mis dans mon petit coin, je suis en train de faire une petite arène pour gagner des points. Et oui, grâce à moi, on gagne un petit peu de points. Et eux, ils font pareil de leur côté. Des points d'amélioration et des points d'objectif, des points de game, on va dire. Voilà, donc ça, à mon avis, je sais pas ce que c'est. Tac. Donc là j'ai 400 points de machin, il faut être niveau 2 pour commencer à fabriquer, donc je vais bientôt l'être. Et en fait, au début c'est vraiment une course au loot, hein. Faut vraiment looter, plus on joue, plus je découvre qu'il faut looter très très vite. Parce que c'est tout ça, je vais ramasser. Tac. Teammate dingue, qu'est-ce qui s'est passé? Il est avec toi, Kyobi, le ouais, mec? Ouais, je vais le relever. Ah, d'accord, je crois qu'il était mort par un joueur. Écoute, je vais essayer de faire ça. Alors, c'est bien que ça soit 3 maximum. Parce que ça, ce genre de jeu, à 5, après, ça commence à faire un peu. Ça fait beaucoup. Donc là, je vais essayer de en profiter un maximum que les joueurs sont assez éloignés, parce que la map, hein, vous voyez, elle est très grande. Donc théoriquement, au début, on ne rencontre pas de joueurs. C'est plus tard, quand les zones commencent un peu. Je dis ça, ça se trouve, je vais me faire pouiller par un mec tout de suite. Hein. C'est souvent ce qui se passe, de toute façon. Donc là, je suis en train de me faire une ville.
C'est que l'arbalète elle est pas mal cheatée en vrai. Donc là j'essaie de me faire une ville tout seul, donc c'est pas évident parce que les mobs sont forts. Hein. Je sens que c'est plus le roussi, bien sûr. Je crois que c'est plus le roussi, je crois qu'il y a des joueurs. Je suis pas niveau 2. Je suis passé niveau 2. Ah, c'est quoi ça? Je vais sortir de là. Ok, les joueurs, je suis mort. Les joueurs sont morts. Donc là, oui, je viens de mourir. Et dans une minute, je vais pouvoir respawn. Donc là, je vais me mettre sur la vue. Bon, c'était un mes risques et périls, hein, en vrai. Donc là, je suis dans la vue de mes commates et dans 45 secondes, je vais pouvoir revive. J'avais entendu qu'il y avait des joueurs tout à l'heure, mais j'ai voulu un peu... Donc le jeu est encore un petit peu buggé, hein. C'est normal, c'est une bêta fermée. 4000 joueurs, 4000 clés ont été distribués sur Steam hier, donc le 29 avril. Plus les clés privées ou les... Tu peux pas le tuer, il est à l'intérieur du silo le truc en fait, c'est ça? Ouais, il est bugué, putain. Par contre, il est en train de te mettre mal. Ouais, barrez-vous, barrez-vous. Donc là, je vais respawn. Je sais pas s'il me reste à moins... Il me reste 7, ok. Donc là, attaque, j'ai 800 points. Je vais me crafter une armure niveau 1. On peut faire une armure niveau 3, une armure niveau 3 maximum. Donc là, les gars sont pas encore super bien, c'est normal, un fusil à pompe, hein, c'est... ça pardonne pas. Là, ça pardonne, donc c'est pas bon. Donc, du coup je vais fabriquer mon sniper, je vais garder un fusil à pompe avec moi. Donc j'ai mon armure, bah, comme vous avez votre armure aussi. Et on est 12e, donc 12 sur 20, mais 12 sur 17 survivants, mais 12 sur 20 quand même. Je vais quand même prendre une AR. Je pense qu'on peut... Attends, vous avez pas fait les caisses ici, les gars. On est pas mal, hein, niveau... Là, il y a une arène, là, je vais la faire. Mais le mieux, ce serait d'avoir un véhicule, hein. Je crois que c'est le maintien. Donc, il y a plein d'objectifs à faire, hein, durant la game. Je peux faire un truc différent. Oh, je peux.
Ah, attends, il y a une ouverture là qui dure 12 secondes. En vrai, le jeu est vraiment bien, hein. Il est beau, les sons sont un peu buggés par contre. Des fois, on a l'impression qu'il y a des mecs qui sont à côté de nous alors que. Pas du tout ça. T'as vu, c'est quoi ça par terre là? Putain. C'est un stimulant. Ah, d'accord. Oh merde. C'est quoi ça pète ça normalement? C'est une mine, d'accord, ok. Alors. Vu qu'on a eu là, on peut aller se mettre ici là, moi je pense, non? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Attends, on a une tempête qui nous arrive en plein dans la tronche. Donc on est 11e, hein, 11e sur 20. On n'a pas encore creusé. Enfin, si, j'ai creusé des joueurs, ils m'ont tué, mais. On n'a pas encore. J'ai le chiffre 108 bloqué, là. Le snap puissant, c'est puissant, mais il faut viser la tête quoi. Faut viser la tête clairement. Donc là, un petit feu pour se réchauffer. Voilà, donc ça, je suis à fond. Quoi, c'est un objectif que vous avez mis là-bas? Ouais. Tac, donc là j'ai encore des points et je peux fabriquer mon armure niveau 2. Encore une tempête qui nous arrive sur la gueule. On a une petite base qu'on peut faire ici après. Il y a un boss aussi juste à notre droite, à mon avis il y a du monde déjà qui est en train de se foutre. On a une très grosse tempête qui arrive encore. On peut l'esquiver, on peut l'esquiver. Comment ça s'active ça? Sur F. Ah, il y a du feu à côté. Il est où le feu? Ah, sur moi. Je crois que je vais le trouver là, c'est bon. Look out an outlander. Kill him. Is there a fire somewhere? Reloading.
Il me faut des points de fabrication là, puis m'acheter mon armure niveau 3 là. Il m'en reste très peu à avoir. Ah, tu veux faire le boss qui est là-bas? Bah ouais, je pense. Hein. Allez, de toute façon, faut bien tenter. Hein. Faut bien voir à quoi il ressemble aussi. J'ai l'impression que le gars qui est avec nous, il a ni monté ses armures. Il fait pas grand chose en fait. C'est quoi, y'a des joueurs? Y'a des joueurs? Non, non. T'es tout seul, hein? Ouais, je sais. Je suis tombé dans le trou, là. On est bien, on va faire. Faut faire attention. Alors, oh putain, c'est ça le boss! Je sais pas si on peut l'avoir ce boss. Hein. Oh putain. Il a pas donné de point de fabrication. J'ai le seum. Il y en a là-bas. On est passé 5ème là avec en tirant le boss. Ah, t'as vu les premiers, ils ont 380. Oh, mais il suffit de les tuer. On a gagné. On est passé 5ème à mon avis. Je prends le fusil à pompe quand même pour la fin. Et il manque plus que 20, 28 points de fabrication. Attends, regarde là en bas là. Il y a plein de points de fabrication. Yes, normalement je peux fabriquer mon armure 3, c'est bon. Là derrière nous il y a des joueurs. Ici là, vers ici. Là où je pointe, ici là, 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 pointe. Ici là. On les a vus sur la map, on les a vus sur la map. Là-bas, gauche, hein. Ah, ça tire sur la gauche aussi! Là-bas, là-bas! Ah, j'ai vu. Vas-y, 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 c'est pas notre combat, c'est pas notre combat, vas-y. Ah, j'ai plus de base, j'ai plus rien. Là. Je vois à travers les murs! Mec, j'ai un shit! Je vois à travers les murs! Mais on rentre dans la base, on rentre dans la base, on a l'avantage! Come with us in the base, guys. Dans la base, il y a des joueurs aussi. Il y a quoi que. Hein. Ah merde. J'essaie de voir là-haut. Là. Il y a des mecs là. Je peux pas t'enfiler des balles, moi. C'est quoi comme balle qu'il te faut? J'ai trouvé. Ok. Ils sont pas loin, ils sont là, les mecs. Hein.
Ah, y'en a ici là. Oh, c'est pas lui. Pas lui, je pense que j'ai vu tout à l'heure. Ah, y'a des caisses là-bas. Y'a un mec qui a une armure en or. Ici là. Il a une armure en or. Pas bon ça. Ah là-haut, il y a du monde, t'as vu? C'est sûr que tu vas aller te battre ma... Moi, je serais resté dans la base, hein. Ah non, faut qu'on avance, t'as raison. Là, il y a une type. Ah, mais j'ai plus de balles! Merde, tant pis. Sur notre gauche, ici, il y a des joueurs. Hein. Et on avance. On va se mettre genre ici. Vas-y, moi, tu comptes, vas-y, moi. Vas-y, moi. Par contre, ça va attirer du monde. Il reste encore 30, 27 joueurs potentiels. Ouais, ça tire. Ça tire sur le boss. On tue d'abord les joueurs et on tue les boss après, ça vous va? Ça y est, il est arrivé le vaisseau. Ouais, mais il va partir au bout de 5 minutes. Pointe, hein, surtout, on n'est pas pointé. Hein. Là, côté du boss. Ah, mais c'est quoi ces 5 balles qui partent en une seconde? Break shield! On est passé deuxième. On se fait tirer dessus. On se fait tirer dessus, pas. Ah, en bas, forêt. Faut se barrer. On back. Non, on avance plutôt. On est pas mal. Il faut construire dans une maison pour les accueillir. Viens, on se met dans une maison, non? Ouais, vas-y. Ils sont là devant, ils sont juste là, ici là. Allez là. Break shield. Ils sont en train de se fight avec notre team. Putain, mais Goose, il fait n'importe quoi avec nous, viens, on y va, on va l'aider. Là. C'est bon, il est à terre, je crois. C'est bon, je l'ai mis à terre. Il est à terre. Il nous tire dessus. Sur la gauche, derrière nous. Là. Ils sont trois. Ça attend partout, hein. Regarde. Faut se cacher, on est en plein field. Hein. Ah, on se cache. Bah, on se met dans le vaisseau sinon. Black Shield. On a un véhicule si tu veux, on peut le prendre. Tu connais. Il peut nous péter la gueule. Qui c'est qui est à terre? Putain, il est con. On s'en fout. Il sert à rien.
Combien de temps? 2 minutes, il reste? Ah, on peut ouvrir et camper dedans. Ça me tire devant! Putain. Non, on va s'extraire, on va s'extraire. Je suis à terre, je suis à terre. Ah, ils sont à l'intérieur, ils sont à l'intérieur. Ah, mais ils sont en train de camper à l'intérieur. Ah, ouais, d'accord. Ils sont déjà en train de camper à l'intérieur, ouais. Attends, dans 10 secondes, il réapparaît. Il a réapparu super loin. C'est n'importe quoi, je réapparais dans 20 secondes et le vaisseau il se décolle. Donc j'aurai 30 secondes pour repartir. Hein. Si, si, si c'est comme The Cycle, t'as juste à toucher le vaisseau, je pense, non? Ah non, faut attendre le compte à rebours. Ça veut dire quoi? Il faut que t'appuies sur un bouton? Et que t'as... Une fois que le compte à rebours est à 0, il faut y aller. Ou à 5 secondes, 2 secondes, tu rentres et c'est bon. Combien de temps il reste là? 10 secondes. Bon, mais c'est mort. Je suis à 96 mètres. Non, mais je sais pas si c'est bon. Vous êtes restés sur la planète. Ah, faut être tous les trois. Hein. On a fait top 4. On a fait top 4. Non, c'est bon, ça a marché. Ah non, ils ont enlevé des points. 148. Ah, je suis pas mort, moi. Ouais. Vous êtes mort et pas moi. Bon, bah, top 5. Top 5 sur 20, c'est pas trop mal. Donc là, on a beaucoup d'expérience. Dérivés industriels, options business, etc. Donc, je vous invite, si vous voulez tester ce jeu, alors je pense qu'il faut attendre encore un peu avant qu'ils mettent la version bêta en public. En tout cas, ils avaient prévu de sortir le jeu en avril 2021, donc je pense que c'est toujours d'actualité, ou pas, si on demande un mois de même. Donc je pense que peut-être que c'était reculé, je sais pas, je vous donnerai peut-être plus d'informations dans les commentaires. Si y en a qui sont intéressés, dites-le moi, je vous mettrai l'actualité. Sinon, revenez sur le Discord Baloku et demandez ce qu'il en est, puis je ferai des recherches pour vous. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous sur YouTube et sur Twitch, que je fais aussi des lives. Merci Kyobi pour m'avoir accompagné durant cette vidéo. Pas de soucis. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Bye bye.